Hey, ton ombril c'est n'importe quoi là. Bon, ton ombril. Tu dois un peu dire l'essence. Dire tout le beurre. Plein. Plein. Plein, et pas seulement sur chaque ton ombril. Hein? On n'a pas le temps de la laver. On va les filles, on va s'arrêter quelque part pour laver la voiture. On n'a pas le temps de faire tout ça. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit coucou les filles. Ça y est, c'est le grand jour. On va où? Bon bah, on va. Bon bah, c'est bon, c'est le grand jour. On va aller au Maroc avec la voiture. Inch'Allah, ça va bien se passer. Voilà, c'est le même. Et on s'est fait ce qu'on va faire. Mais Razine dit le GPS. Bon, dans mon plan, normalement, j'ai jamais fait de long trajet, les filles. J'ai jamais fait de long trajet, même à Deauville, je suis pas allée. Mais il y a une première à tout. Dans mon plan, on va aller de Paris à Bordeaux. Et ensuite de Bordeaux à Valladolid. C'est une ville en Espagne. Et ensuite de Valladolid à Algeciras. Je sais pas tout ça, ça représente combien de temps. Je sais pas combien ça représente de trajet. Mais en tout cas, on y va. On va mettre le GPS. Là. Tu peux pas mettre ta puce, non? GPS. Fada. And quiz. Khasna télécharger Waze alors ici. T'es devant les quoi numéro 01. Il sait faire. J'ai oublié. Putain. Il faut qu'on télécharge Waze. Fini, elle finit de télécharger. Ouais, bah c'est une direct donnée mobile. Waze. Il n'est pas chargé à 100% ton téléphone. Hein. Si. Bon bah je vous retrouve. Je vais vous retrouver à la prochaine station où on s'arrêtera. Je vais essayer de rouler 2-3 heures. Je vais essayer de rouler 2-3 heures sans m'arrêter. Normalement il faut que je roule plus sans m'arrêter, sinon on va pas arriver. Il faut qu'on essaie de rouler au moins 30. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je roule plus normalement. Je peux pas rouler 2 heures et m'arrêter. Mais moi, je suis pas habituée à rouler plus de 2 heures. Donc pour l'instant, on va commencer 2 heures et on s'arrête, ok? 2 heures, on s'arrête. 2 heures, on s'arrête. 2 heures, on s'arrête. Et après, si j'arrive à faire plus, on fait plus, ok? Bisous les filles. Je vais m'étoyer sur le téléphone de ma mère et je vous reprends à la prochaine station. Et vous allez me suivre pendant tout le voyage. Ok, je tiens. Bon, les filles, on est au premier péage. On n'a pas payé, c'est trop bien. C'est bon. Première pause, là on a fait 5 heures de route à peu près. Je pensais que j'allais tenir moins. Non, je rigole. On a fait 1h15. On a fait 1h15. On est sorti il n'y a pas longtemps, mais je suis déjà fatiguée. Les filles, j'ai besoin d'une pause. Ouf. On s'est posé. Là on est à Orléans, pour celles qui veulent savoir. Voilà. Bon. Orléans, c'est pas un côté, n'est-ce pas? Je vais sortir, je vais aller m'acheter un truc à manger. Ok, il y a un Subway, il y a une grosse aire de repos ici, elle est trop bien. J'ai envie que la petite dame elle vienne avec moi, comme ça elle se dégourdit les jambes, mais elle veut rester surveiller la voiture. Mais ici, il n'y a pas besoin de surveiller. Hein. Ici à Orléans, il n'y a pas besoin de surveiller, mais c'est pas grave, vas-y, je l'allais surveiller. Je prends juste mon petit portefeuille. Pas la peine de prendre tout mon sac, il est là. Il est là. Et je laisse la petite dame ici. Et je vous ramène avec moi. Bon, il y a la Ninjiblik. Ok, la petite dame. Je vais ramener un petit café à la petite dame. Qui est fatiguée aussi. On est déjà fatigué ici au bout de 1 heure de route. Non. Hein? Là. Bon, les filles, là, c'est la petite pochette avec l'espèce que je perds jamais. Là, j'ai pris un petit Subway. J'ai pris un petit café pour ma mère. Elle voulait pas de Subway. Et regardez, l'aire de repos, elle est trop belle. Et il y a un Subway juste là. Et en fait, je vais aller rejoindre la petite dame. Elle est garée là-bas, je vais aller la rejoindre parce qu'elle, elle veut pas. Elle a trop peur qu'on me vole et tout. Du coup, je pense que je vais aller la rejoindre. Tada les filles, on est arrivé au deuxième péage. Ah merde, j'ai klaxonné. Ah ouais, mais faut que je sorte de la voiture. Ah ouais, mais mon frein à main il marche pas, donc on va éteindre la voiture. Alors. Parce que je sais jamais me mettre à côté, j'ai oublié de partir. C'est où? Un ticket. Ok.
je pensais qu'il n'y avait pas de péage qu'avec dans l'off TikTok. Ah, t'es qui pas. Bon, bah, je pensais qu'il n'y avait pas de péage, mais bon, pas de chercher quoi. Ma mère, elle veut pas s'arrêter dans les aires de repos, genre il y a pas les stations service et tout, genre des simples aires de repos parce qu'elle a peur, on se connaît la petite dame. Du coup, bah, on s'est arrêté à celle-ci. Du coup, là, ça fait 2 heures qu'on roule. Et du coup, là, c'est le max que j'ai fait. 2 heures, c'est le max que j'ai fait. Regardez, s'il vous plaît, comment je suis. J'ai des fausses crocs pour ça. C'est pas grave, de toute façon, je vais me changer avant d'aller au bateau, bien sûr. Inch'Allah, si j'arrive au bateau. Pour l'instant, je vous mens pas, je suis un petit peu fatiguée, mais ça va encore, ça va. Bon, les filles, nouveau péage. On est où là, la petite dame déjà? On est à 30 minutes, 20 minutes de Bordeaux, je pense. Et là, c'est 33,80€. Oh my god. Et là, le tachi, quand t'es. Tachi. Bon, là, on y retourne. Donc, pour l'instant, là, je commence à être un peu fatiguée. Je commence à avoir mal à la main, en fait. Elle est toute rouge. Je sais pas si vous me voyez. Elle est toute rouge, ma main. Je sais pas pourquoi. On dirait que je suis comme ça sur le volant. Mais ça va. Pour l'instant, encore, ça va. Juste là, on est en train de réfléchir. Là, on est en train de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on dort pas? Est-ce qu'on continue? Moi, je sais que tout le monde dort. Je sais que tout le monde, de ce que j'ai vu sur Internet, de ce que j'entends parler, les gens, ils dorment. Ils font pas France, Espagne, comme ça, parc sans dormir. Mais on est en train de se demander, on dort où? Est-ce qu'on dort en France? Est-ce qu'on dort en Espagne? Sachant que là, on est à Bordeaux. Donc, là, on est dans 20-30 minutes, on sera à Bordeaux. Donc, donc, il faut prendre la décision maintenant, en fait, de savoir est-ce qu'on dort en Espagne. Mais on a peur que ce soit dangereux de dormir en Espagne. Par rapport aux hôtels et tout, on ne sait pas s'il peut y avoir des vols dans les parkings. Et dans les aires de repos, c'est mort, on ne va pas dormir. Peut-être là où il y a les restos et tout, mais je ne sais pas. Moi, j'ai envie de me mettre en objectif de ne pas dormir jusqu'à dans le bateau. Mais je ne pense pas que ça va être possible. Donc voilà, on verra. En tout cas, je vous reprends dans un air de repos. Là, dès qu'on arrive à Bordeaux, dès qu'on sera dans un air de repos, il faut qu'on mange un peu. Je vous reprendrai là-bas, ok, Pitouki? Merci, on est à Bordeaux. Je suis claquée, je vous jure. Je n'ai pas voulu trop le dire tout à l'heure devant ma mère. Je suis claquée. Elle va me dire, on s'arrête, tu dors, etc. Mais je vais dormir, les filles, mais juste pas maintenant. Et je vais dormir d'ici une heure, quelque chose comme ça. Je vais dormir, Inch'Allah, je pense. Ah, regardez ce que j'ai fait à mes clés de voiture. J'ai mis des petits bonbons Hello Kitty que je peux manger sur la route. Et là, on s'est posé. Je vais manger moi des Maltesers. Je me suis pris un petit coca. Et la petite dame, j'ai pris coca, chips et ça. C'est des courses qu'on a fait au préalable. Hein. C'est des courses qu'on a fait au préalable. On ne les a pas achetées ici au Franprix. Et voilà. Moi, après 10 heures de route. Chalmen de Ardena. Ouais, moi après à peu près 10 heures de route, complètement saccagé. Il a un peu mangé, mais hey, franchement les filles, vous savez, on a pris des frigos remplis de nourriture, des chips, des trucs. On n'a même pas faim, on n'a rien mangé. À la fin, je vais vous dire tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ne prenez pas trop de nourriture, ça sert à rien. Vous n'allez pas avoir peur en fait avec l'adrénaline du voyage, ouais, avec le trajet. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de manger. Pourtant, je suis une grosse mangeuse, hein, vous savez très bien, j'ai même pas envie là des ça. Regarde les chips, c'est ça si tu veux. J'ai même pas envie. On a pris une tonne de boissons. Une tonne. On n'a rien bu. Je pense que je vais juste rouler. Et dès que je suis fatiguée et que je veux dormir, eh ben on verra s'il y a un endroit safe pour dormir sans danger ou quoi. Ou même s'il y a un hôtel, on verra. Mais j'ai pas envie de prendre un hôtel. Parce que qui dit hôtel dit rester longtemps dedans. Moi j'ai besoin juste de 30 minutes de sommeil, une heure complète. C'est tout. Ouais, c'est ça. La une. Ou 30 minutes. Les filles, je suis épuisée. Là, on est arrivé en Espagne. Et le problème, c'est qu'on n'a pas internet sur nos deux téléphones. Ma mère aussi, elle n'a pas internet sur son téléphone. Donc, on ne sait pas comment faire pour le GPS. Il n'y a pas. Pourtant, j'essaie de contacter SFR. Il n'y a pas. On n'a pas. J'ai des traces de partout. On dirait une folle. Désolée. J'ai conduit là pendant des heures et des heures. Pendant 15 heures, je crois. Je ne sais pas combien de temps. Bref.
Là, il y a pas, en fait, il y a pas de, on n'a pas internet, et on en a besoin pour le GPS, hein, et on en a besoin deux pour prendre les billets du bateau et pour faire beaucoup de choses. En fait, on n'a pas internet. On va faire comment? Kindiro, un chouf en Kradashi? Ma ndekch internet, ma matanchi. Siri, khod Siri and hadak w jibi mobi kart. Nsoulouch, walkin bach bna hadr ma3a tana hadr sbouliyon. Sinon je vous montre les filières de repos, elle est comme ça. Et là enfin il y a des arabes, les filles. On cherchait les arabes pendant tout le trajet parce que on trouvait pas d'arabes, donc on se demandait si on était sur le bon trajet. Mais là on en voit plein, donc on est contente, on sait qu'on est sur le bon trajet. Là je cherche un petit sandwich, les filles, mais il n'y en a pas, il n'y a que des chips. Et il n'y a pas de sandwich, vous savez. J'en trouve aucun. Oh non, est-ce que j'ai faim là en fait? Je trouve pas. Je trouve pas de sandwich, il n'y en a pas. Ah, je crois que j'ai trouvé, les filles, mon endroit. Regardez, là il y a des sandwichs. Por favor, un ketchup. Ketchup, ouais. Gracias. Non. J'ai pris des frites. J'ai pris des frites. Il est là où on a comme le trajet. Comme ça, on le démarre maintenant. Il n'y a pas de frites là. Ah, j'avais soif. On va manger pendant le trajet, ok? One eternity later. J'ai toujours pas dormi, hein, et j'arrive pas à dormir, c'est impossible. Parce qu'en Espagne, j'ai trop peur. À chaque fois que je dors, je m'imagine. En fait, ma mère, elle m'a montré des vidéos TikTok d'agression et tout fait en Espagne. Du coup, à chaque fois, j'imagine que s'ils font du mal à ma mère ou quoi, donc je me réveille en sursaut. Donc, laissez tomber. Je vais pas dormir, je vais faire un voyage entier sans dormir. De toute façon, on arrive dans 8 heures à peu près, donc voilà, on va dire j'ai fait le plus gros. Là, je cherche juste un sandwich, ça fait plusieurs heures de repos que je cherche des sandwichs, j'en trouve pas. Bon, les filles, je sais pas si vous me voyez bien. J'ai pris un sandwich. En réalité, je pourrais dormir ici. C'est une aire de repos où toute l'allée, là, ils sont tous en train de dormir. Donc, je pense que ça doit être sécurisé s'ils dorment tous. Parce que depuis que je suis en Espagne, j'ai vu aucune aire de repos où les gens dormaient comme ça. Là, c'est... Là, c'est la première aire de repos où tout le rang dort. Ma mère, elle m'a proposé de dormir, mais je me sens pas dedans. En fait, j'ai très sommeil, je suis très fatiguée, mais je préfère continuer comme ça, c'est fini. Mais je suis pas fatiguée, genre je sais que je vais pas somnambuler dans la route. Vous voyez, si je savais que je suis fatiguée au point de faire ça sur la route, non, je serais restée dormir. Mais je suis pas... Donc je sais que... Alors, bah, c'est ce qu'on a dit, hein. Par contre, je voulais prendre un Red Bull et la dame, elle m'a dit prends pas, prends ça, c'est mieux. Fais-la, viens. Blèche. C'est pour le venir. J'hésite à le prendre parce qu'il y a du feu. Mais d'un autre côté, ça va me donner ma dernière énergie dont j'ai besoin parce qu'il me reste que 8 heures. 8 heures, Inch'Allah, c'était bon, j'arrive à Al Jazeera, je prends le bateau et dans le bateau, je dors. Et ensuite, je reconduis de Tanger à Marrakech, c'est vite fait, c'est 5 heures. Voilà. Tu penses quoi pour l'instant du voyage? Bon. Moi... Après, leur sandwich, il est sec. Le sandwich n'est pas bon, le ton est bizarre, il est sec. Avec une allemand. La fraîche, il y a de la matin, c'est trop. Un dos chien. Sûrement, mais j'ai pas fait attention. Et voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de partager ce voyage avec vous. Et je pense à vous pendant tout le trajet. Je me dis, j'ai hâte de voir leur réaction et tout. One eternity later. Les filles, j'ai jamais été aussi KO de toute ma vie. J'hésite à dormir ou pas.
Schnells ou le blé? Merci. Mais je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout en fait. J'ai un sommeil très particulier. J'ai besoin de dormir dans une chambre noire sans aucun bruit. Noire? Et elle, elle mange des amandes. T'as coulé le zahda au dnig et tout ainsi. Non, je rigole, je rigole, alcoolique. Et si vous voulez savoir, on est où là? On est à Valladolid et je suis KO, j'arrive plus, je vous jure. Je suis fatiguée, j'arrive plus là, j'ai tout essayé, j'ai essayé la musique. J'ai essayé tout là, c'est mon corps qui veut plus. Je suis KO parce que j'ai pas dormi. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que j'ai pas dormi la veille. Et on change la place, oui. Nest mec. On échange. C'est 20 minutes. Et après, même une heure, c'est pas dormi. Non, elle 20 minutes. Je vais essayer ici. Je vais enlever mes chaussures. Je vais mettre des chaussures. Stylé, les bibelles, les filles. T'es juste le fort. Ça fait Alina. C'est quoi ça fait? Je gagne la main. Oh mon dieu, c'est froid. J'ai plus peau noire pourtant. Oh mon dieu. Non, j'arrive pas là. J'arrive pas comme ça. La portière, elle me fait mal au bras. Au secours. Au secours. Comme ça. Au secours. En fait, les filles, la plus grosse erreur qu'on a fait là dans ce voyage, c'est d'avoir chargé la voiture. Parce que moi, mes sièges, en vrai, ils se baissent comme ça, jusqu'à comme ça, ça devient un lit. Mes sièges, mais on peut pas bouger les trucs derrière, c'est ça le problème. Oula, elle a pas. Bon, allez, t'es là, comme dernier parti. Si, attends. Oui, on t'a hacké, on a. On t'a que ça. Ah, d'accord, ah, attends, j'ai une idée. Ok. Iwa, on a qu'une rade, on a qu'une. J'arrive pas. Il y a la boîte de vitesse qui me rentre comme ça dans le dos. Elle me dit, elle est d'or. Là. شوفي دوري دوري هذا دوري ينعس ما نقدروش حيت شري باجاج لا هي دوري على بيض ها شتي ولا انكور 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 مي كان غير تقول عليا نقدر نديسيها ان بو صافي يلا ميرسي مون ديرنيير ايش مي ديرنيير ايش Ok, mais j'en peux plus. J'en peux plus de cette route. Non, je peux pas dormir. Sirène, soukran, soukran, dis le mot, c'est quand on monte. C'est très fatigant les filles, hein. Celles qui veulent se lancer dans ce voyage, réfléchissez bien. Après moi je peux conduire là, je vais pas me mettre en danger. Hein. Je vous dis que je suis fatiguée, je suis morte, mais je peux encore conduire. Mais il me reste ça de batterie. Après je pleurerai plus. Il me reste ça de batterie d'énergie. Après je peux plus. Je me suis lavé les pieds. Parce que là-bas il y avait plein de pisse. Et les pires toilettes du monde, c'est ceux-là.
plus d'air de repos pendant un moment. Hein. Dès que vous arrivez dans une ville, je ne sais pas laquelle exactement, il n'y a plus d'air de repos. Vous êtes après la douane. Ouais, mais c'est un peu plus loin. Il n'y a plus d'air de repos. Vous êtes bloqué sur l'autoroute. Et pour avoir une aire de repos, il faut quitter l'autoroute. Il faut quitter l'autoroute. Faut chercher une... Et après, il ne faut pas avoir peur. Parce que nous, comme on n'est que deux femmes, bah, quand on n'a pas envie de sortir de l'autoroute. En fait, on n'a pas envie de sortir et aller à l'aventure. En plus, il n'y a pas de lumière. En plus, moi, là, il vient de faire jour. Hein. Il a fait jour à presque. Il est quelle heure? 7h. À 7h, depuis 4h, on attend qu'il fasse jour. En France, il fait jour vers 4h. On attendait qu'il fasse jour. Il ne faisait pas jour. On a cru qu'il y avait un problème. Le ciel était noir, charbon. Et c'est vraiment impressionnant. Conduisez pas la nuit en Espagne. C'est pas un bon plan, vraiment. Moi, je vous conseille pas de conduire la nuit en Espagne. C'est nul, ça sert à rien et ça fait peur. Et c'est pas lumineux. En fait, il n'y a pas de lumière. En fait, il n'y a pas de lumière. Et heureusement que j'ai changé mon feu. Hein. Dire que j'allais y aller sans feu, je l'ai changé juste avant de venir. Hein. Et dire que je me suis dit, vas-y, il en manque un, c'est rien. Heureusement que je l'ai changé. Et voilà, ouais. Je vais tout vous dire. Pour celles qui veulent prendre la route seule, je vais tout vous raconter. Quand j'arrive et tout à la maison, comme ça, ça va pas être. Parce que là, je suis KO en fait. Je suis très fatiguée. Je le dis pas parce que je suis tellement fatiguée que j'ai même. Je suis très fatiguée, mais je vais vous dire, ok. Mais ouais, à un moment donné, il n'y a plus d'air de repos. Vous êtes bloqué. J'en pouvais plus. Hein. J'en pouvais plus. J'ai dit à ma mère, viens, on sort dans la ville. C'est pas grave, on va dans une mairie. On va à la mairie de quelque chose. Et bref, je vous raconterai. Les filles, je me suis arrêtée là dans une aire de repos. Pourtant, on a vu le taureau là, c'est bon signe, mais j'arrive plus là. Oh mon dieu! Oh, j'arrive plus. Oh, je peux plus. On va échanger de place, la petite dame et moi. C'est l'énième tentative pour essayer de dormir. En fait, moi j'ai un sommeil très particulier, les filles, même. Ça veut dire que j'ai beau être exténuée, je peux pas dormir, c'est psychologique, c'est dans ma tête. Si j'entends par exemple du bruit ou si j'entends, oui, j'ai un sommeil. Je disais les filles, déjà c'est un sommeil où je dois être dans le noir profond déjà, dans mon sommeil. Il doit y avoir zéro bruit, on verrouille les portes, zéro bruit. J'arrive pas à dormir dans ces conditions, c'est pas possible. Je vais réessayer et je vous donne des nouvelles, ok, mais je suis tellement exténuée. Si je dors pas là, je vois pas comment je peux faire pour conduire de Tanger à Marrakech. Je que Kena a bin Tanger à Marrakech. Kena, moi je suis bête, soyez. Bin Tanger à Marrakech. Bhel Sbania, au final, c'est la même chose. C'est la même galère, ça va être la même chose. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça va être long. ما كانش علينا ناخذو Airbnb في مراكش كان علينا نعسو في نركن علينا ناخذو في طنجة باش غير نجيو غير نوصلو نمشيو نعسو ناخذو اوتيل ناخذو اوتيل او مي ديجا خديتي جي بيي ديجا لا نوي تاع مراكش جوري با جو جو سي با بون اي جون بو بلو هان جون بو بلو ريفليشيسي بيان افون دو بروندر لا روت de Paris comme ça au sud de l'Espagne, réfléchissez bien. Bon, je vais essayer de dormir, je vous reprends en vous disant si j'ai réussi ou pas, ok. Puis là, je vais pas vous mentir, on a vraiment, vraiment du mal là. On n'arrive plus, en fait, on est très, très, très en sommeil, je tremble. Hein. Je tremble, on a sommeil de malade. Tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'on allait essayer de dormir, on a dormi 15 minutes, grand maximum, et on s'est réveillé en sursaut et tout. On n'arrive pas, on peut pas dormir comme ça dans les rues et tout, c'est pas possible. Et du coup là je me suis arrêtée. J'ai bu ça hein. J'ai bu ça là qui donne de l'énergie. Je vais voir ce que ça donne parce que je l'avais pas vu avant. Je me sens sale en fait. J'ai pas lavé mes dents, je me suis pas lavé. On est sale. Je rentre le bateau quoi. Non, c'est un peu le bateau. Mais j'ai qu'bel le bateau Marcelin. Chez toilette. Quand même on va pas aller rentrer dans le bateau comme ça. On dirait des genoux. Des genoux. Et ma mère et moi là, on dirait des geniettes. J'espère que je vais croiser aucune petite souki dans le bateau. Parce que je vous jure, oh là, on dirait des geniettes là, comment on dit. Bah, ça paraît bon. T'as ma mère, Mskina, elle a du kohl jusqu'à là. Elle a mis du kohl, Zama, avant de sortir. Genre, voulait se maquiller. Maintenant, il est arrivé là. Elle est comme ça, elle a du kohl tout ici. Moi, je suis dans un état, pas possible. Et voilà. Bon. Des GPS. Bah, Ken, je suis démaquillant. Les filles,
On est même pas 30 minutes plus tard. J'arrive pas. Là Lèche, maman. Les filles, on est même pas 20 minutes plus tard parce que. On est... Non, mais je suis 20 minutes. Ça fait combien de 35 secondes là Une heure et demie. Ça fait une heure et demie, je me suis déjà arrêtée parce que j'arrive pas. Et là, dites-vous, les filles, il reste que 2h30. Il reste que 2h30, j'arrive pas à les faire. Vous vous rendez compte? J'ai fait tout le chemin, hein, j'ai tout fait. J'ai traversé de Paris jusqu'en Espagne. J'ai traversé toute l'Espagne. Il reste 2h30 jusqu'à Al Jazeera. J'arrive pas à les faire. J'arrive pas à les faire. On fait que s'arrêter. J'arrive pas. Il reste 2h30. Hein, j'arrive pas à les faire. J'arrive plus. Ah, c'est trop dur. C'est trop dur. Il me faut une douche en fait pour me réveiller, les filles. Il me faut une douche complète là, les cheveux, tout, le corps, tout. Je me sens sale, de malade. Je me sens sale. Il n'y a que mes mains que je lave régulièrement. À chaque fois que je descends dans une aire de repos, je vais laver les mains. Au moins, comme ça, je les lave jusqu'à là. Et en plus, les moustiques, ils m'ont achevé. Tenchi ? Ouais. Et je sais pas pourquoi ils m'ont mordu à ce point. C'est pas des moustiques qu'ils ont, c'est des. Oh, mais j'ai bronzé, maman. Mmh. Oh, regardez ce bras-là, il a bronzé. À force d'être par là. Oh, je suis choquée. Hey, en Espagne, on bronze bien. Regardez la différence. J'avais déjà entendu qu'en Espagne, on bronzait bien. Mais je savais pas. Regardez la différence parce que ce bras, il est toujours au soleil en fait. Regardez la différence. On bronze super bien en Espagne. Putain, il me reste 2 heures. J'arrive pas à les faire. J'arrive pas. Ça me paraît être les 2 heures les plus insurmontables. Ah ouais, j'ai bien cramé. Hein. J'aime trop. Même les mains, je suis choquée. Regardez. Je suis choquée, même les bras. Chauffez maman les bras. Chauffez le four. Je suis choquée. Et en Espagne, tu bronzes trop bien. J'avais déjà entendu ça. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça. Une fille, elle m'avait dit Soukaina, je suis allée en Espagne, j'ai super bien bronzé. On bronze mieux qu'au Maroc. Hein. En Espagne, c'est incroyable le bronzage que j'ai. Je suis encore choquée. Maman, elle est toute noire là. Bon, allez, du courage. Il reste deux heures. Et le problème, les filles, c'est que si je me dépêche pas, on va rater le bateau de 13h. On sera obligé de prendre le bateau de 16h. Et ça veut dire qu'on devra attendre là-bas 2 heures. Purée. Bon, allez, on y va. J'arrive pas en fait. J'arrive plus. Mon corps il veut plus. Mes yeux ils veulent plus. Et rien ne marche là chez moi. Là j'ai juste besoin d'une sieste en fait. Très mauvaise idée de pas dormir. De faire le trajet sans dormir. Très mauvaise idée. Et si je suis. T'es où à rien rater bateau à 13h. Je ne vois pas si tu qui l'attaque. J'ai jamais pris le bateau, moi. Regardez ma trace de bracelet. Et je suis choquée de l'Espagne. Vraiment, le soleil de l'Espagne, incroyable. Hein. Regardez les filles, il reste 2h45 en fait, pas 2h30. Il me reste que ça et j'arrive plus à les faire. Attendez, je vous montre. Il me reste juste ça. Alors que j'ai déjà parcouru tout ça. Regardez, il me reste ce petit bout d'Espagne. Il me reste juste ce petit bout d'Espagne. J'ai parcouru déjà toute l'Espagne. J'ai parcouru tout ça. Et j'arrive pas à faire le petit bout. J'arrive pas. J'arrive plus. Et là, il y a deux petits. Hein. Il n'y a pas mon nom, Anna. Non. Voilà, tu es toi.
Il a mis mon nom nulle part. Tu lui as pas donné mon nom. Si, c'est tout le livre de passeport. Macken Smith nulle part. Smith que deux fois. Ça veut dire un homme a un petit billet là. Quel râle là-dessus. Bon. Et en plus, les filles, j'utilise les données mobiles à l'étranger, donc j'ose même pas imaginer la facture salée et sucrée qui va m'arriver. Oh my god. Tournez à droite, puis au rond-point, prenez la Mais non, maman, le GPS il me dit que c'est là. Sevilla, Granada. J'en peux plus là. J'ai juste hâte de quitter l'Espagne. C'est long. En fait, l'Espagne, c'est le plus, ça a été le plus long. Hein. Ça a été beaucoup plus long que la France. Il nous reste 2h15. J'en peux plus là. Fini, monsieur Gucci ? Non, l'ombre, c'est mieux. Et bah, quand il y aura quelqu'un, je me lève. J'en peux plus. Bon, ici, on s'est arrêté manger une petite salade parce qu'on n'en pouvait plus. On s'est arrêté là. Attendez, je nettoie un peu, vous voyez. On s'est arrêté là dans... C'est pas une aire de repos, on est sorti en fait en ville pour trouver un truc à proximité. Et voilà. Bah du coup on va rater le bateau de 13h, hein, c'est certain, mais bon c'est pas grave. Elle nous a donné des petites huiles d'olive. C'est trop mignon, et de la petite vinaigrette. Regardez là, leur vinaigrette, comment elle est mignonne. Oh là là, mais attends, elle leur fait trop le bordel là. Là, chez Blas, ça fait à l'ombre. Il s'est handicapé. Je suis handicapé. C'est livraison. Je travaille j'arrive pas à l'ouvrir. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Ça y est, j'en peux plus. Là, j'arrive plus. 30 minutes, on fait une pause, on n'arrive pas. On n'arrive même pas à ouvrir la bouteille tellement on n'a plus de force dans les bras. En fait, on est KO. Et vraiment, c'est une mauvaise idée de ne pas dormir. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. En plus, on n'a plus d'eau. On a de l'eau chaude. Pourtant, on a ramené une glacière. On a mis plein de glaçons dedans. Je comprends pas pourquoi tout est devenu de l'eau. Les gens, si je regarde sur leurs vidéos, ils mettent des glacières, ils mettent des glaçons, ça reste tout le temps des glaçons. En vrai. Si c'est vrai, peut-être je sais électrique. Électrique peut-être. Mmh. Je sais pas. Mais en tout cas, nous. J'en peux plus.
j'en peux plus, mais quel cauchemar. Par contre, on est à Séville et c'est grave beau. Genre limite, on aurait pu passer des vacances ici. Si ça avait pas été, si j'avais pu me faire deux vacances par an, j'aurais fait d'abord l'Espagne, hop, et ensuite je rentre au Maroc. Parce que vraiment, c'est trop bien. Enfin, là où on est, c'est super beau. Je vous ai filmé, hein, je vous montrerai. C'est trop beau, vraiment. Un autre monde, c'est trop beau, mais malheureusement on n'a pas le temps de visiter tout. Ah merci. Là, j'ai pris un petit coca et j'en peux plus. Devinez, il reste combien? Il reste 2 heures. Ça fait 4 heures que je vous dis qu'il reste 2 heures pour Al Jazeera. Mais on fait trop de pauses. Une heure et demie. On n'en peut plus. Ah oui, il reste 1 heure et demie. Il reste 1 heure. On fait trop de pauses, on n'en peut plus. C'est chaud, c'est chaud. T'es chaud. J'en peux plus, on va au secours. Par pitié, au secours. Par pitié, au secours. On n'arrive pas à arriver à Al Jazeera, en fait. On n'arrive pas. On a bien avancé. On a fait un chemin bien. Bah, après, on a quelques petits trucs que je vous raconterai. Mais sinon, on a bien avancé. Mais là, on n'arrive plus. Non. C'est pas ça, c'est la khandine marasnaïlma. Et on est sale. Bah, en même temps, ça fait 2 jours on s'est pas douché. Enfin, hier et aujourd'hui, quoi. J'ai envie de me doucher, c'est trop important la douche en fait. Je me rends compte c'est tellement important. J'ai hâte, dès que j'arrive, Inch'Allah, je me tape un brushing, je me retape un make-up, je me remets bien parce que je peux plus me voir comme ça. Ah bah, c'est. Oh, moi j'avais mon gilet autour de la tête, c'est ça qui me tient chaud. Je veux plus reprendre la route, je veux plus là. C'est mon rêve que quelqu'un d'autre conduise à ma place. C'est mon rêve. Oh my god. Magdiliaga, merci. Je vais peut-être t'asbania. Ah bah, oui, mais je t'ai ramené dans le sud. Hein. Merci. Je vous montre les filles, regardez comment c'est super beau. Là, je vais aller au Carrefour. Attendez, je vais jeter ces coca chauds, je peux plus. J'ai pris mon petit portefeuille. Regardez comment c'est. Franchement, c'est pas mignon. C'est beau, ça donne envie de passer des petites vacances ici. Par contre, on bronze trop bien en Espagne. Hein. Dites-vous que je me suis même pas exposée. J'ai juste mis ma main sur le volant. Et regardez la trace que j'ai. Vraiment, j'ai jamais vu. Regardez le centre commercial, il est hyper grand. Pepeco, moins 50%. Oh, il y a des trucs Barbie, putain. 5 euros, putain, mais la petite dame elle va pas. Elle voudra pas qu'on s'attarde trop. Elle aura peur qu'on rate, du coup, bah c'est pas grave. Je suis venue juste prendre de l'eau en fait, de l'eau fraîche. C'est super beau. Là je crois que c'est ici. Ouf, on l'a trouvé, mais là on a raté le bateau. T'as 16h, t'as 13h, on les a tous ratés. Je t'ai dit qu'ils ont séparé avec billets et sans billets. Tout ça, c'est des gens tétina pour une place. Non. Ok, thank you. Bon, c'est pas grave, bah, je vais en profiter pour me maquiller pour pas être moche dans le bateau. Voilà les filles, je me suis fait un rapide petit make-up et j'ai un peu lâché mes cheveux, mais je meurs. C'est joli, moi. Il est en pagaille. Ça, il fait chaud. Ouais, il fait chaud en plus.
Je pense que je vais me refaire mon chignon. Et voilà, et on décolle dans une heure et demie. Je vous ramènerai au bateau avec moi. En tout cas, je suis contente, les filles. Petit résumé. En général, je suis contente. Bah, après, c'est pas fini en fait. Je peux pas faire un résumé tout de suite parce qu'il reste Tanger jusqu'à Marrakech. Mais c'était très éprouvant. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que je m'en sentais capable. Je vous le disais, parce que là, t'es folle, mais je m'en sentais capable. Je savais. Alhamdoulilah, machin. Alhamdoulilah, je le savais. Bon les filles, voilà, on est dans le bateau et ma voiture elle est juste là. Bon. Je peux pas mettre mon frein à main vu qu'il fonctionne plus, mais normalement si j'éteins la voiture, maman m'arrête plus. T'es sûre? Non, il marche plus. Ah, c'est bon. Et c'est bon les filles, on est dedans. Voilà. Ouf. Je l'ai fait les filles, ouais. Les filles, on est arrivées. Je suis trop contente, regardez. Allah al-Batam al-Walid, on est arrivées. Là, je suis en train de sortir du bateau. On est à Tanger. Là, non. T'es contente la petite dame? Je suis quand même, je suis contente de Tanger. Je suis venue à la Chagatta. Barakallah. Contente. Eh, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu à Tanger. J'avais oublié que Tanger c'est vraiment beau. Franchement, Tanger c'est ma deuxième ville préférée après Marrakech. Je pense que c'est pareil. C'était pareil en Espagne, en réalité la conduite.